Honorables députés nationaux et sénateurs, honorable président de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental, Excellences, Monsieur le gouverneur de la province du Kasaï oriental, général commandant du service national ici représenté, général commandant de la 21e région militaire, général commissaire provincial de la police nationale congolaise, monsieur le ministre provincial de l'éducation, monsieur le provède de la province du Kasaï oriental, madame l'administrateur du territoire de Tshilenge, madame la bourgmestre de Tshilenge, monsieur le grand chef de la chefferie de Bakwakalonji, monsieur le chef de groupement de Bakodila Benakaloubi, distingués invités, mesdames et messieurs, tout protocole observé. C'est un agréable plaisir pour moi de m'adresser à vous en ce jour si spécial qui marque la cérémonie inaugurale des nouveaux bâtiments du complexe scolaire Lutumba Odila Boato que nous avons attendu depuis très 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 longtemps. Hier, c'était un rêve devenu réalité aujourd'hui pour la population du Kasaï oriental en général et celle du territoire de Tshilenge en particulier qui ont tant souhaité voir la matérialisation de ce projet. Ce vaste projet contribue au renforcement d'identité de la province du Kasaï oriental grâce à une infrastructure moderne dotée des équipements de qualité répondant aux normes. Le service national qui, tout au début, ne s'est limité qu'à former les jeunes bâtisseurs au métier de l'agriculture, a développé plusieurs filières de formation de jeunes dans les métiers de construction, des travaux de l'aménagement des routes, des ponts, des menuiseries, etc. etc. Aujourd'hui, c'est à Tshilenge qu'ils ont matérialisé le projet de construction de cette nouvelle école avec perfection et qui contribue au renforcement d'identité de la province du Kasaï oriental. Cette œuvre vient appuyer les processus de l'amélioration des conditions de scolarité et la qualité de l'apprentissage de nos enfants pour faire face aux grands défis de la reconstruction et du développement de notre cher et beau pays tel que prôné par Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police congolaise, qui fait de l'éducation de base sa priorité et ne ménage aucun effort pour viabiliser, réhabiliter, rénover et construire des infrastructures scolaires viables et dignes dans le cadre de PEDEL 145. Par cette même occasion, il m'a demandé personnellement de vous transmettre ses salutations chaleureuses. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'éducation est l'un des piliers pour le développement de notre société.
C'est un droit fondamental de chaque individu et un prérequis essentiel pour un avenir meilleur. Cette nouvelle école sera un lieu où les élèves pourront acquérir des connaissances, développer leurs compétences et cultiver leur curiosité intellectuelle. C'est un endroit où ils seront encouragés à penser de manière critique, à poser des questions, à explorer et à découvrir le monde de toutes